remercier très profondément le groupe Ngewel Rhythm et son lead vocal, mon très cher frère Baycheikh, je l'appelle ainsi. Remercier également l'honoraire partenaire. Remercier aussi l'ensemble des délégations qui ont fait le déplacement, la presse, bref, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette manifestation. La proximité est aveuglante. Mais au-delà de la célébration d'un anniversaire, il me plaît de dire que ce que j'ai vu hier soir dans cette ville me confirme dans l'idée que le Sénégal est un et indivisible. Le Festival national des arts et de la culture l'a déjà montré. L'origine des ethnies sénégalaises se trouve étant simplement la grande vallée du Tekrour, qui est un empire qui s'est développé vers le 11e siècle après l'empire du Ghana et qui a vu que les Sérères, les Peuls, les Alpoulards d'une manière générale, les Wolofs, les Sérères sont partis de la même origine qu'est la vallée du fleuve Sénégal, comme le montre très amplement le professeur Boubacar Barry, qui a déjà réalisé une thèse sur la Sénégambie du 15e au 19e siècle. L'origine étant commune, l'avènement de l'islam vers le 11e siècle au nord du Sénégal a fait que des ethnies comme les Sérères ont été réfractaires à l'islam et ont préféré descendre pour créer les premières communautés sérères qui constituent les nones dans la région de Thiès. Les Mandeng n'ont pas aimé la hiérarchisation selon Vincent Monteil, sont passés par Ndande à 12 km de Kébemer et ont créé le Kalom, qui est un puits qui n'a pas de margelle et qui rappelle profondément, n'est-ce pas, tout simplement, ces stigmates et ces rites initiatiques renvoyant à la culture mandé. Mais en tout cas, remercier véritablement tous ces groupes qui se sont déplacés et qui ont montré que le Sénégal est dans ce qu'on appelle la diversité commune. Les ethnies sont diverses, certes, mais les thèmes renvoient véritablement à la même origine. Content de voir un groupe sénégalais revenir revisiter le patrimoine pour la bonne et simple raison que nous traversons une ère, une période qui est trouble du point de vue des comportements, du point de vue des pertes de valeurs, du point de vue également de ce qu'on appelle aujourd'hui le déracinement. Le professeur Cheikhante Diop dans Nation Nègre et Culture, dans la préface, nous disait déjà à la veille des indépendances africaines que l'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant les facteurs désagrégants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se donner un peuple est ce sentiment de continuité historique. Et je crois que le Ngewel Rhythm est sur cette lancée. Pour cela, simplement, nous vous disons félicitations.